ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Lumière et paix à chacun de vous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Nous saluons nos mains bien-aimés dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui fait nos grâces, nous capables de répondre présent dans le jour spécial, jour que le Seigneur lui-même l'y mettait à pas pour nous, pour conférence biblique nous, chaque dernier vendredi, dans le mois, dans le Sahara, c'est toujours l'heure qui est consacrée pour conférence biblique nous. Nous souhaitons tout frais action, yo, bienvenue. Tout le monde qui est connecté avec nous, tous les YouTubers, tous les internautes, nous, yo. Nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous contents que nous répondons présents aujourd'hui dans le cadre de conférence biblique que Light and Peace Ministry porte pour nous chaque mois. Il y a une façon pour nous capables de grandir dans la connaissance de la parole de bon Dieu. Nous contents avec vous aujourd'hui, mes bien-aimés, dans le cadre de conférence. Et fait que nous contents parce que nous avons présence Seigneur côté au pral. Tendez parole, Seigneur, pour capable grandir dans la connaissance parole. Merci, Seigneur. Et nous ne connaissons pas capable de faire rien pour contre nous. Bien avant, nous avons montré dans le cœur nous pour nous capables de disposer nous, pour nous inviter le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le maître de la parole. Pour venir prendre place dans la mi-temps. Lui-même qui fait nous grâce, nous capables là aujourd'hui. Lui-même qui fait nous grâce, nous capables de respirer. Lui-même qui fait nous grâce, nous capables de vivre aujourd'hui. Dans la mi-temps trouble, dans la mi-temps difficulté, mais lui fait nous grâce. Nous capables là. Oh yes, papa. Seigneur, nous disons merci. Merci. Merci pour amour, pour fidélité. Merci pour grandeur. Merci, papa. Pour magnificence. Seigneur, mais nous qui répondons présent, dans le jour que vous mettez à pas pour nous parler de vous, pour nous glorifier, pour nous magnifier, à travers oui, parole, dans le cadre de la conférence. Seigneur, nous avons besoin de présence. Venez, venez prendre possession de nous. Venez prendre contrôle de l'atmosphère. Venez prendre contrôle de chaque monde, chaque cœur, chaque esprit, chaque âme, chaque corps. Pour que Père, tout ça qui va faire, toute parole qui va parler, il va sortir directement en bas pouvoir Saint-Esprit. Dirigez-moi, Seigneur. Guidez-moi. Orientez-moi. Retirez tout moi-même. Mettez où même. Afin que Père, tout ça qui va parler, il va édifier peuple. Et non, va glorifier. Rétez avec nos pères, depuis le commencement, jusqu'à la fin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen.
Amen. Encore une fois, mes bien-aimés, nous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous souhaitons bienvenue à notre conférence biblique qui est placée sous thème la prudence et sujet que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est le juste est prudent comme un serpent. Le juste est prudent comme un serpent. Gisela a fait attention tant qu'on coulève là. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Sujet à mes bien-aimés, nous disons que c'est le juste est prudent comme un serpent. Gisela a fait attention tant qu'on coulève là. Et bien avant, quittez-nous, lis une portion d'écriture pour nous que nous joignons dans Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Matthieu 10, verset 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Amen. Mais bien-aimés, nous pas jamais capables de dire que le Seigneur li bay petit liyo moun ki pou li yo sa li ta remè ki fè le plezi yo non pa jam ka di li banon ase tout sa ki nesesèr pou la vi nou de tous les jours pou nou kapab yon témoin pou li men ou témoin ka vive nan mitan moun sa. Et pour que yon jou nou kapab rive dans la félicité éternelle. Le Seigneur nan volonté nan amour li eh bien li vle bay petit li yo tout ça qui nécessaire, tout ça que yo besoin pour yo jouer rôle yo comme ça doit. Pour yo capable jouer rôle témoin ça dans mitan monde ça. Et ça fait li ban nou parole li. Parole que li ban nou afin que tout monde qui va li parole ça. Tout monde qui va tendre parole ça. Et tout de suite après, il va arriver à appliquer parole ça dans la vie. Yo. Tout ça que bon Dieu ban nous, c'est par grâce. Et c'est ça qui fait les bonnes paroles là, pour non seulement nous tendre, nous les paroles là et nous appliquer. Est-ce que la parole de Dieu a fait de nous, Jodia, des insensés. Est-ce que parole bon Dieu les nous tendait li? Est-ce que le nous lit parole bon Dieu? Est-ce que le n'a fait effort pour nous appliquer parole là? Est-ce que parole là t'a fait de nous des insensés? Est-ce que parole là t'a fait de nous des mondes déséquilibrés? Non. Mais bien le contraire. Car plan bon Dieu pour nous, c'est que nous arrivons à faire la différence entre le monde et nous. Mais volonté bon Dieu. Mais plan bon Dieu
Plan mon Dieu pour moi avec vous. Plan mon Dieu pour nous, c'est pour nous arriver faire la différence. C'est pour nous arriver faire différence entre le monde là et nous-mêmes. Parce que gagnons différence entre nous. Gagnons grande différence entre monde qui pour bon Dieu et monde qui dans le monde là. À tout monde qui veut suivre Christ, à tout monde qui veut suivre Christ, à tout monde qui veut suivre Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ assure yo de récompense. Les assure yo de bien au centuple sous terre et yon héritage de la vie éternelle. Mais à côté de récompense que n'a besoin, à côté de récompense que les assurés nous, à côté de bien au centuple que n'a recevoir sous Tessa et héritage de la vie éternelle, gagnait souffrance, gagnait persécution, gagnait difficulté, gagnait défi que nous gagnons pour nous faire face à nous-mêmes et pour nous arriver à affronter nous et pour nous arriver à surmonter nous. Alléluia. Et c'est ça que fait le sujet qui concernait nous aujourd'hui, hein, c'est la prudence de l'homme juste. Aujourd'hui, il est question du juste. Il est question de monde qui a marché droit devant mon Dieu. De prudence, monde qui a marché droit devant mon Dieu. Et c'est ça que fait Jésus lui-même, lui parler de prudence à discipline. Et c'est ça que fait, avant de commencer, nous avons fait lecture parole, mon Dieu, que nous venons dans Matthieu 10, le verset 16, qui dit nous, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, face à des situations dangereuses, face à des situations tête chargées, qui paraissent compliquées, qui paraissent dangereuses, que disciples pral fait face à eux-mêmes. Et danger ça yo, que disciples pral fait face à eux-mêmes, eh bien, c'est des dangers que yo pral fait face à eux-mêmes à cause de yon bagay. Yo pral fait face à danger sa yo à cause de position yo nan Christ. Yo pral fait face à danger sa yo. Yo pral fait face à situation danger sa yo à cause de position yo en Christ. À cause de appartenance yo à Christ. À cause de nom que yo pote ya, qui se disciple Jésus. Mais, pour faire face à danger yo, pour faire face à menace yo, pour faire face à obstacle yo, pour faire face à situation qui paraît compliqué, eh bien, Jésus, en tant que maître, li pral bay deux paroles. Et deux paroles sa yo, yo vin un seul, yo vin paraît, c'est deux, mais li vin paraît un seul, qui c'est yon seul commandement. C'est deux qualités, c'est deux vertus, mais
li vin paret sou yon sel form, yon form commandement, yon form affirmative. La première, c'est la prudence. Prudence, nan ki sa? Prudence, nan rapport, monsieur yo, avec monde là. Prudence, nan rapport, monsieur yo, nan rapport, disciple yo, avec les hommes du monde, avec le monde, qui, pour la plupart, sans scrupule, mes bien-aimés. Le monde que nous la donnons là, c'est un monde qui sans scrupule. C'est un monde qui méchant. C'est un monde qui pervers. C'est un monde qui bourré avec bandits, tout calibre. C'est un monde qui bourré à criminels. C'est un monde qui bourré à méchants. Des mondes qui sans scrupule, des mondes qui prêtent à tout. Donc le Seigneur fait nos exigences. Soyez donc prudents. Prudence, ça veut dire la sagesse de Dieu pour éviter les pièges qui pourraient leur être tendus. Donc c'est une sagesse qui sortit en haut. Pour qui ça, pour capable éviter tout piquant kouena que monde qui nan monde ça, qui sans scrupule, qui prête à tout, capable de mettre pour vous, capable de tendre pour vous, pour venir tomber la donne, pour prendre un gomme. Le Seigneur dit nous, prudent. Deuxième qualité, hein, c'est la simplicité. Comme les colombes. Simplicité. Tant qu'au colombe là. Simplicité que le Seigneur vient demander disciples là. Donc c'est qui ça? C'est une pureté de caractère. Parce que mes bien-aimés, sans une conduite astucieuse, sans mobile indigne, yes, c'est une pureté de caractère, sans une conduite astucieuse, sans que ou pas nan aucune fourbe, sans que ou pas nan aucune activité imbattable, ou bien une conduite qui s'en reproche, ou une conduite qui s'en reproche, ou clean, ou pur. Et c'est ça qu'il faut prendre dans l'évangile de Luc, dans chapitre 16, le verset 8. Jésus pral dit, lorsqu'il t'a parlé de l'économe infidèle, de ce que l'était agi un homme avisé. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi un homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Attendez, ça le dit là, plus avisés. Qui ça nous capable de remarquer de nos jours, nous capable mes bien-aimés, gain en pile non croyants, gain en pile non chrétiens. Eh bien, qui montrait plus perspicacité, yo pi avisé, yo montrait, yo fait preuve de plus de perspicacité dans les affaires du monde que en pile croyant ou bien les enfants de lumière, yo manifesté yo même dans affaires bon Dieu. Wap gade monde là, wap gade monde hein, le la prègle business monde là. Il est vraiment à cela. Il est très à cela. Il est après le business. Il est après l'activité mondiale. Il est très à cela. Il est zélé
dans business li, li zélé dans affaire monde li, li accordé en pile temps, en pile énergie dans affaire monde li. Li pas joie que ça. Mais pendant ce temps, là nous garder petit bon Dieu yo, yo vague dans affaire bon Dieu. Yo vague dans affaire bon Dieu. Yo paresseux dans affaire bon Dieu. Yo léger dans affaire bon Dieu. Yo pas engagé dans affaire bon Dieu. Et ça que fait Weldou là, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Plus avisés. Parce que je dis, on regarde des gens pile chrétiens. Regardez qui j'en ai travaillé pour mon Dieu. Regardez qui j'en ai comporté dans sa fait mon Dieu. Pendant ce temps, on regarde des mondains, on regarde des païens, les affaires à faire, les très engagés dans l'activité. Mais nous-mêmes, en pile dans nous, et la lose n'a pas la lose. C'est la lose n'a pas la lose dans sa fait mon Dieu. C'est râler pour nous râler, nous pour nous faire bagaille pour bon Dieu. Parce que nous pas engagés, nous, dans sa fait bon Dieu. Monde puis avisé passer nous. Dans sa fait monde là, mais dans sa fait bon Dieu, nous-mêmes nous négligeons. Donc je dis, hein, il est question, mes bien-aimés, de prudence de l'homme juste. Prudence, quand moun kap marche droit devant bon Dieu. Et ça fait le doula, soyez donc prudents comme les serpents. Et je dis, hein, n'a pas l'eau de prudence juste là prudent, même gens avec serpents. Juste là, a fait moun kap marche droit devant bon Dieu, a fait attention, même gens avec serpents, même gens avec coulèvres là. Qui te m'dit ou? Prudence, c'est une qualité qui n'est pas innée à l'homme. Ça veut dire que l'homme n'a pas gagné la kaeli naturellement. Prudence. Donc, naturellement, l'homme n'est pas prudent. Naturellement. C'est parce que ce n'est pas un bagage que l'homme gagne la kaeli. Et ça nous relève pas inné. L'homme pas gagné la caille. Mais c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Bon Dieu voulait bay moun ki pou li yo, li voulait bay yo prudence. Comprenez bien ça m'a dit non là. Prudence c'est pas un bagay l'homme gagne la caille. C'est pas une qualité que l'homme fait avec elle. Mais c'est bon Dieu. Qui baye moun ki pou li yo. Qualité ça. Ça fait prudence, nous capables d'où c'est une attitude qui consiste à agir avec précaution. Donc c'est lorsque on prend précaution pour faire un bagay, là on vin prudent. Pour éviter toute erreur, pour éviter tout désagrément ou danger inutile. C'est ça que fait. Ou pral comprendre. Prudence, prudent, la yodou prudent. Prudent, c'est yodou li pour moun ki li mette, li prend temps pour réfléchir. Son moun ki évite pour le faire des bagay ki kapab nuin. Ki kapab vin pote problème pour li. Son moun ki calculé. Action par avance. C'est un monde qui calcule zak li pral poser yo. Li calcule porter zak que pral poser avant que le poser. Li calcule conséquence zak la. C'est pas l'elfin agi et puis kounye a la réfléchi sous conséquence là. Non, li réfléchi avant. Ça c'est un monde qui prudent. Il suppose aussi le soin
de son intérêt personnel et un certain sentiment de crainte. Et ça fait, si nous faisons coup d'œil dans le dictionnaire synonyme, ou pral que l'idou prudent, ou pral joindre comme synonyme pour lui raisonnable, ou pral joindre juste mesure, ou pral joindre sage, conséquence, science, ou pral joindre avisé, ça veut dire qu'il songe à tout, prévoyant, prudent pour l'avenir, réfléchi, ou monde qui réfléchit, et pas l'elfine pose une action et puis la réfléchi, donc il n'est pas en balèl. Il n'est pas poté bourré dans une série de bagailles tête en bas. Il n'est pas entré dans un rien tête en bas. Il n'est pas entré dans un rien déjà fermé. C'est un monde qui réfléchit. Tout ça le pral fait, il réfléchit avant. En un mot, on est capable de dire c'est un précautionneux. C'est un monde qui toujours prend précaution. C'est un monde qui marche sous 13 lits, qui fait attention pour ne pas piler 14 lits. Amen. On nous regarde. Il dit prudence juste là les prudents en coup serpent. Juste la prudence en coup serpent. Mais avant on nous regarde le contraste qui gagnait entre l'homme prudent, juste qui prudent et insensé. Proverbe, chapitre 12, le verset 23, il dit nous, mon l'esprit, pas jamais n'en fait mon ouais, tout ça yo connaît. Mais, mon sans comprendre, ap mache fè moun wè jan yo sot. L'homme prudent cache sa science. Mais le cœur des insensés proclame la folie. Ouais. Moun sans comprendre, ap mache fè moun wè jan yo sot. Et si nous t'apprend version le semeur, li dit comme ça. Li même version semeur a parlé de l'homme avisé. N'en place l'homme prudent, il parlait de l'homme avisé. Il dit l'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. Qui sont doit comprendre là? Contraste entre monde qui prudent. Mon l'esprit est insensé. Mon saute là. La Bible dit, mon sans comprendre. Ouais. Ap mache fè mon ouais, j'en yo saute. L'engade là, nous est que personnage qui sage là, c'est qui est-ce? Mon l'esprit. Mon l'esprit a, li vin paraître là comme un monde, comme un modèle. Mais qui modèle? Un modèle de retenue et un modèle d'humilité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que mon l'esprit a, li fait connaître, li dit ça le connaît dans bon moment. Li toujours choisi qui le pour le parler. Et ça fait la Bible d'où là, mon l'esprit, pas jamais, n'en fait mon ouais, tout ça yo connaît. Li dit, ça le connaît, hein, dans bon moment. Mon l'esprit, hein, c'est un monde qui avisé. L'homme prudent, avisé. Donc, c'est un monde qui réfléchit avant parler. C'est pas un monde qui chante quant à moi je me suis. C'est pas un monde qui a vanté tête li. C'est pas un monde qui a marché faire un monde ouais que li connaît. L'a vanté tête, il a fait étalage connaissance. Parce que li connaît, ça pas poté rien. Parce que li connaît, ça pas ni fait ni monter ni descendre ni. Donc li connaît
qui le pour le parler. Li connaît qui le pour le montrer ça le connaît. Et ça, face à nous, il sait attendre le temps propice. Il connaît qui l'a pour agir. Tandis que, moun sans comprendre qui ça le fait lui-même. Il n'y a pas de langue ni. Moun sans comprendre son petit moteur qui n'a bouche li. L'el prend parler, le parler, le parler, le parler, le parler, le parler, le parler. Il n'y a pas de langue ni. Et ça, la Bible dit là. Moun sans comprendre, ap mache faire, moun wè, j'en yo sot. Ça veut dire qu'il n'y a pas de kembe langue ni. Li parle à toi et à travers. L'ap dit tout bagay. Et l'on parle en pile comme ça, ou montre sotizou, ou montre faiblesse, ou montre comment que ou mal. Et ça fait la Bible dou la, moun sans comprendre, ap mache faire, moun wè, j'en yo sot parce que yon pas contrôle bouche yo. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, que Salomon, le roi Salomon, il dit dans le livre Ecclésiaste, eh bien, il dit parole ça. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font. Hein? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ecclésiaste 4, le verset 17. Chapitre 5, les versets 1 et 2. Mais bien aimé, moun ki sage là, moun ki prudent, qui avisé, qui réfléchit, les prudents, les avisés, les réfléchis, le l'a pas approché de bon Dieu. C'est ça, lui? Moun ki sajawi, lè la pa proche de bon Dieu. Li konn ki jan pou l'approcher de bon Dieu. Li toujours prend temps pour le temps des Seigneurs. Li pa presser l'ouvri bouche li. Faut tendre, faut apprendre tendre. Juste là. C'est ça que fait li capable prudent. Tant qu'on serpent ou pral wè pi devant pour qui ça? Juste ça, pas j'aime presser l'ouvri bouche li. Li pas j'aime presser parler. Li toujours prêt pour le tendre. Li pas pressé pour ba une réponse. Li pas pressé pour parler. Li pas pressé pour courir parler. Ni devant mon Dieu, ni devant les hommes. Et li toujours à veiller. Pour pas parler en pile. Sinon, gardez, au pralwe Proverbe chapitre 10, le verset 19, li confirme ça pour nous. Lorsque li dit nos paroles ça, plus ou parler, plus ou ka péché. Plus ou parler, plus ou ka péché. Parce que plus ou ap parler, c'est plus ou ap di sottise. Plus ou ap di bagay ko pa dwe di. Parce que li di ou, le ou gen bon comprenn, ou kenbe bouche ou fermé. Proverbe 19. Le ou gen bon comprenn, ou kenbe bouche ou fermé. Donc celui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, est un homme prudent. C'est un monde qui prudent. Le contrôler langue. Donc juste là, mes bien-aimés, monde qui a marché droit devant mon Dieu sont prudents. Il doit contrôler bouche li. Il doit contrôler langue ni.
langue ni pas kamenel. C'est pas langue ni pour contrôler, c'est lui pour contrôler langue nan. Parce que parole la doula, plus ou parler, plus ou ka péché. Il y a deux vérités importantes pour nous signaler là. Deux vérités importantes que nous sommes capables de relever dans ce que nous disons là. Première vérité, c'est qui ça? Celui qui parle beaucoup, plus ou parler, plus ou ka péché. Plus ou parler, plus ou ka péché. Pour qui raison? Plus ou parler, ou pas suspendre vente tête ou non? Plus ou parler, ou pas suspendre chanter quant à moi je me suis non? Moins 10, moins date, moins ceci, moins cela, moins même l'aime des 10, l'aime des date, l'aime des là, l'aime des côté, ou pas suspendre dit ça? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de se vanter de parler beaucoup de lui. Le plus souvent, le monde a parlé en pile comme ça. Il est toujours allé au-delà de réalité. Il est toujours allé au-delà de vérité. Il est toujours allé plus loin que ça lié. Donc, ça qui mène inévitablement sur le terrain menti. L'op a parlé en pile, inévitablement, la menon sur terrain menti. Et nous connaissons très bien que mentir, c'est un péché devant mon Dieu. Et c'est ça que fait l'idiot là. Plus ou parler, plus ou ka péché. Parce que l'op a qu'un bel langue, ou pas qu'une réserve, ou pas contrôler bouche. Ou à parler, eh bien, ou à monter, ou à déboucher sous menti. Et menti, nous connaît son péché devant mon Dieu. C'est son première vérité. Deuxième vérité, c'est que lui dit, non, le ou qui peut comprendre, ou qui peut bouche fermée. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ou bien l'homme avisé, mwen version ça, l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Nous besoin ça. L'homme avisé met un frein à ses lèvres. Gen moun, yo pa gen frein. Gen moun c'est gaz collé yo gen. Son seul pédale là yo gen, gaz yo kon bay. Mais pédale frein yo pa gagne. Que mon frein yo pa konnen. Et parler. L'homme avisé, l'homme juste, le juste eh bien li mette yo frein nan bouche li. Et ça que li dou là, le ou gen bon comprendre ou ken be bouche ou fermé. L'homme prudent qui sa gagne. Les gagnants maîtrisent l'angni. L'homme prudent. Moun kap mache droite là. Moun ki prudent. Eh bien, li kembe li maîtrise l'angni. Li kembe l'angni en bride. Li kon ki le pou l'pale. Li kon ki sa pou l'di, ki le pou l'di, ki kote pou l'di, pou l'pa tombe, nan yo djoute di. Et en même temps tout, pou l'pa blesse moun, pou l'pa cause moun, pou l'pa fè moun mal, nan parole que l'a prononcé. Faut contrôler bouche. Moun kap mache droit devant mon Dieu, moun ki prudent, la même Jacques David, qui était capable, qui était arrivé dit ça au sujet de
parole qui t'a sorti dans bouche li. Lorsque il est arrivé, il dit, Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Chaque personne se met à dire, j'ai décidé de ne pas pécher en parole. Il y a l'autre traduction qui dit, ce que j'ai pensé n'a pas franchi ma bouche. C'est le même genre. C'est la même réaction pour gagner. C'est même attitude de cœur ça pour gagner. C'est même élan de cœur ça pour gagner, je dis. Il faut contrôler l'angle. Ça que le donne Somme 119, le verset 72. Oui, que ma bouche, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez comprendre. Juste là, qui prudent, même Jean avec serpent, parce que le Seigneur vient là, il dit non, c'est pour non prudent, même Jean avec serpent. Et c'est pas une sagesse, Jean nous dit, qui peut faire mon peur. C'est pas une sagesse qui peut faire mon cri. Ce n'est pas une sagesse qui peut faire monde et là où il y a un crasé rac, non. Ce n'est pas une sagesse qui peut inciter le monde, qui peut provoquer peur, non. Non. Son sagesse. Son sagesse qui sortit en haut. Son sagesse qui sortit en haut. Et voilà que le Seigneur vient faire référence à sagesse, serpent. À prudence, serpent. Elle dit, c'est pour nous prudents, même gens avec serpent. Parce que, mes bien-aimés, serpent, l'ont gardé, ils ont considéré prudent, parce que ils ont multiplié, et ils prospéraient plus que tout l'autre animal sauvage. Vous pouvez comprendre, serpent, l'ouab gadeli, ils considéraient prudent, très 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 prudent. Parce que, vous comprenez bien, serpent yo continue, mes bien-aimés, exister dans un monde qui n'était capable d'où en constante modernisation. Et vous pouvez remarquer que il y a un pile dans animaux sauvages qui en voie de disparition dans le monde moderne, ça. Pas serpent. Il y a un pile qui en voie de disparition, mais pas serpent. Au contraire, il a multiplié. Parce que il a réussi à prospérer, même si ces animaux ont piraillé dans le monde là. Serpent. Il y a des gens qui remènent. Parce que tout le monde identifie, il identifie à l'autre là. Et ça fait, il réussit à prospérer, même si il raille. Et il évoque, mes bien-aimés, la peur. Et respect. Pendant que il raille, mais ils peuvent et ils respectent. Pas grand pile bête, non? Être humain respecté et l'hyper comme ça, quand vous coulez.
pas grand pile bête, non? Mais pendant ce temps, tout le monde peut couler. Tout le monde peut couler et tout le monde respecte. Et au parle de l'autre raison, serpent yo, yo considère yo prudent en raison de capacité yo gagné pour yo vivre dans tout continent. Yo ont capacité pour yo vivre tout côté. Tout côté, mes bien-aimés, dans toute partie dans monde là. A gon côté qui que yo pas capable de fonctionner. Yo vivre tout côté. Et yon capacité pour yon évoluer sur tout terrain. Est-ce que ouais, pour qui ça, mes bien-aimés, le Seigneur dit nous c'est pour nous prudents, même gens avec serpents. Yon une capacité pour yon évoluer sur tout terrain, sur toute terre, dans la mer, dans l'eau douce et même dans l'air. Serpent est là. Yo prudent en raison de capacité yo mes bien-aimés pour réaliser objectif yo dans monde ça en dépit de toute difficulté qui gagnait que serpent yo rencontré mais yo capable vivre yo manger et yo multiplier la paix mon Dieu avec vous. Alléluia. Mais pour qui ça le Seigneur vini li dit ou c'est pour nous prudents, même gens avec serpents. Donc le juste, les prudents, même gens avec serpents. C'est en raison, c'est pour toute raison ça, mes bien-aimés, que juste là lui-même, la fonctionner dans le monde ça, et mais c'est ça qui fait le prudent. Et pour être sage, nous devons penser, méditer, et pour nous réfléchir sous des faits. Des vérités et des affirmations, mes bien-aimés. Ça fait, ou pas capable de contenter ou pour ignorer parole ça yo. Ou pas capable de contenter pour ignorer vérité ça yo. Et pourtant, parole est pourtant ça yo. Et ça fait, lorsque Jésus-Christ vient, il dit, disciples yo, soyez prudents comme les serpents. C'est pour toute raison ça, yo, mes bien-aimés. Donc, les vins confier nous là, c'est une véritable, les sont affirmation, les c'est une exigence, les c'est un commandement, et en même temps, les vins confier nous, yo parabole. Nous sommes capables de un dicton qui chargé avec sagesse, qui a un peu sens et enseignement. Parce que Jésus, c'est avec image qu'il enseignait. C'est à partir de paraboles que Jésus t'a enseigné. C'était modèle d'enseignement. Pour être capable, mettez disciples à l'aise dans l'enseignement. C'était méthode d'enseignement Jésus. Il était utilisé paraboles en pile, dicton en pile. Alléluia. Donc, c'est pas pour rien, lorsque Lévin dit, nous soyez donc prudents comme les serpents, et nous, en tant que justes, nous doués prudents, même gens avec serpents. Sous base, toute raison, ça y est, mes bien-aimés. Juste là, mon cap marche, mon qui comprend, non? Action homme prudent, eh bien, il n'est pas capable. Même gens avec action, n'est pas capable, même gens avec folie insensée. Donc c'est ça que nous parlons là. Action, non prudent. Action, moun qui comprend, non. Action, moun insensée. Folie insensée. Proverbe, chapitre 13, le verset 16, il dit. Tout le monde qui comprend, calculer bien avant, yo fait yon bagay. Mais, moun sans comprendre yo, a fait ouais, j'en yo sort. Vous entendez? Tout
homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de sa folie. Alléluia. Insensé, hein? Qui ça le fait? Il fait ouais, j'en saute. Ça que fait, il fait ouais, j'en saute. C'est Jean le Paléa. C'est Jean le Paléa, yo ouais. Son monde saute. C'est Jean le Paléa, oui. Parce qu'il a fait étalage. Il agit comme un monde fou. Moun sans comprendre, yo fait ouais, j'en yo saute. Tant qu'on machine, ou pas content de yo dire, ah, ou même ou tant qu'on machine poisson, nous pas gen problème à machine poisson, non? Mais yo, c'est pour yo moto que machine poisson son moun ki doure, mais pas l'empile. C'est son machine nan, yo dire, tant qu'on machine toujours va étaler marchandise. Pour tout moun ka oué marchandise li. Ça que yo compare tant qu'on machine. Insensé, elle a fait étalage. L'a étalé. Donc c'est machin qui étalé. C'est machin qui ouvre marchandise yo pour tout le monde pour acheter capable ouais pour yo article yo pour tout le monde ka ouais article bien ça y a pas acheté pour acheter. Et li parle en pile. Li parle en pile. Et ça fait la Bible dit là monde sans comprendre yo a fait ouais gens yo saute. Tandis que l'homme monde qui gè comprendre nan. L'homme prudent. Moun kap marche sous 13 liya. Moun kap pren précaution. Moun kap veye. Moun kap contrôle. Eh bien, qui sa krive? Li pa vante tête li. Li pa montre le konnen. Li pa fe ouè que le konnen. Li pa chante quant à moi je me suis. Et ça fait la Bible dou la. Moun ki gen comprenne, calcule bien avant. Yo fè yon bagay. Donc, ou moun ki prudent, moun sa li agi en fonction de moun niye ya. Pou l pa fè erreur, pou l pa trompèl, pou l kapab akompli volonté bon Dieu nan la vil. Parce que juste là, moun ki droit là, la marche nan prudence, nan objectif pou l fè volonté bon Dieu. Et c'est pour raison ça mes bien-aimés que apôtre Paul li t'a pral exhorter Éphésiens, li t'a pral exhorter Éphésiens yo, li t'a pral exhorter yo et ben pour te faire connaître ça qu'a prêté à mes bien-aimés pour capable marcher droite faire volonté bon Dieu. C'est ça qu'elle dit yo dans Éphésiens chapitre 5 le verset 17, il dit c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, on peut le comprendre. Pour qui ça? Apôtre Paul dit ça. Ou t'as des dit là? Il dit yo, dans la version créole là, il dit peut-être ça. Prête tête nous bien, pas fait tête chaud. Cherchez qu'on est, sa Seigneur a voulu nous faire. Alléluia. Mais vérité, mes bien-aimés, pas fait tête chaud. Ouais, prête tête nous bien, cherchez qu'on est, sa Seigneur a voulu nous faire. Donc, monde qui veut comprendre, non, monde qui veut bon comprendre, l'homme prudent, monde juste là, eh bien, là. L'a agi avec sagesse, les sages. Non, Jean l'a dispensé. Jean l'a montré l'autre connaissance bon Dieu. Jean l'a montré l'autre qui Jean pour yo connaît bon Dieu. Pour pas montrer que son étalage l'a épaté monde, l'a fait c'est pour l'épaté monde, pour le crason l'autre. Non. Mais bien au contraire, la fait pour l'aider, pour l'encourager, pour l'exhorter. Ouais, c'est ça la responsabilité.
C'est comme ça pour agir. Jean bon Dieu vlil. Des affaires liées. Pourtant, mes bien-aimés, à un moment donné, ou montrer maturité dans la marche spirituelle. À travers connaissance qu'on gagne de bon Dieu. Parce que, ou pas qu'à faire tout de vie, ou, dans la servie bon Dieu, petit bébé. Ou pas qu'à faire tout de vie. Donc, ça fait l'important. À un moment donné, il faut y'a la caillou que ou atteigne une certaine maturité. Ou pas qu'à arrêter bébé toute vie. Il suffit que nous gardions tête nos jodia. Bon, à noter fait, ou t'es petit bébé. C'est le monde qui t'a pris un bébé. Ou commencer à râler, ou chita, ou apprendre à camper, de apprendre à camper, ou apprendre à marcher, ou faire premier pas, ou lagué, ou font pas, ou tomber sous derrière, ou lever, yo kembe main, ou faire deux pas, yo lagué main, ou faire deux pour contour, ou tomber sous derrière, yo bon main, ou lever encore. Mais koto ye jodi a. Mais jodi a ou blanchi, ou son grand monde. Je dis au grand monde, nous sommes jeunes, mais nous sommes vieillis. Nous pas arrêter. Si 4-4 dans la vie, mon Dieu, ça qui nous dit. L'important, à un moment donné, pour montrer maturité dans la marche spirituelle. Car vous sortez d'un point A pour arriver dans Z. Nous pas faire toute vie dans A. Il faut montrer à un certain moment. À un moment donné, il faut montrer connaissance qu'on prend dans mon Dieu. À un moment donné, il faut montrer que vous sortez dans le stade enfance, vous sortez dans le stade petit bébé, vous sortez dans le stade où l'être spirituel là pour manger nourriture solide, pour capable entrer dans le stade adulte, qui c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Et que vous voulez. On y a accompli pleinement volonté de Dieu dans la vie. Parce que tout le temps, on était petit bébé. Ou pourquoi on a accompli volonté de Dieu dans la vie, non? Et ça, c'est l'apôtre Paul dit, l'église Éphèse là, les dit, prête-nous bien. Prête-nous bien. Cherchez qu'on est. Sa Seigneur voulait nous faire. Donc, mes bien-aimés, le juste est prudent comme le serpent. Et m'sou bon raison yo là. Moun kap mache droite là, li soti nan yon point pou atteindre yon l'autre point. Li soti nan yon niveau, et bien pou rive, pou monter nan niveau, nan l'autre niveau. Et jodi a c'est pou monter nan l'autre niveau. Donc, l'important. L'important pour sortir à terre pour monter. Ou pas arrêter à terre. Dans connaissance parole bon Dieu, dans connaissance bon Dieu, ou pas arrêter à terre. Parce que bon Dieu pas arrêter à terre. Pour arriver à connaître volonté bon Dieu, faut grandir. Le monde qui prudent Proverbe, en nous gardant dans Proverbe chapitre 14, le verset 15, Proverbe chapitre 14, le verset 15, qui ça le dit nous? Il dit, yon moun sot après tout ça yon dit, mais moun ki gen comprenne, veye, côté la, la pete piel. Moun ki gen comprenne, veye, côté la mettre piège. Alléluia. Et si nous avons gardé plus haut, si nous avons monté dans verset 8 là, ou pral wè verset 8 là qui ça le dit? Il dit moun ki gen bon comprendre connaît ça l'a fait. Moun sot mette dans tête li connaît, mais c'est tête qui l'a trompé. Merci Seigneur. C'est tête qui l'a trompé. Donc, moun ki prudent, moun ki gen comprenne nan mes bien-aimés, li pa boue tout bagay. Li pa boue tout l'eau. Li pa manje tout manje.
Li pa pren tout voum pou dou. Li pa pren tout tout voum pa dou pou li. C'est pour stupide là, c'est pour moun sot là, tout voum c'est dou. Non. Moun prudent. Moun le Seigneur vini li dil, c'est pour prudent. Moun sa, moun juste là, moun ki pou Seigneur ya. Moun ki se disciple Jésus-Christ ya, ki se yon juste, ki se yon moun kap mache droite. Eh bien, li doit faire preuve de prudence. Li pa kapab prendre tout bagay, l'argent comptant. Li doit réfléchir. Avant de monter son terrain, avant d'accepter yon proposition que yon fait, eh bien, li doit réfléchir. Li doit réfléchir. Tout ça le pral fait, li doit réfléchir d'abord. Toute action que le pral pose, les doués réfléchis d'abord. Moun qui gen comprendre, veillez côté la mette pied. Ou pas tout côté, ou pas pile tout côté, ou pas marcher tout côté, ou pas virer, ou pas rentrer tout côté, ou pas mettre pied tout côté, ou pas mettre pied tout côté, ou veillez côté ou mettre pied. Faut réfléchir avant d'entrer dans Kaisa. Faut réfléchir avant piler côté ça. Mais le stupide, you mon sort a quoi tout ça yo dit. Tout ça yo dit li emballé. Tout ça yo dit li poté boue, toutes ces vérités. Depuis yo paraît yo dit lou bagala, oui, l'allé. Ça c'est comportement, la Bible dit ou li clairement you mon sort. Faut ça dire c'est un stupide. À ce l'idol, version semeadou, le stupide croit tout ce qu'on lui dit. Ou pas kabajit tant qu'on stupide. Ou pas kabajit tant qu'on sort. En tant que disciple Jésus-Christ. En tant que disciple Jésus-Christ, côté que le Seigneur vient faire nos obligations pour nous prudents, ou pas capable d'agir en monde sort. Ou pas capable d'agir. En mon sort, tout ça yon pote ba ou bouel. Non. C'est ça que la Bible dit là. Moun ki ge comprenne, veye kote la mette piel. Sage là, moun ki prudent, li connaît que voit ça capable paraître droite, nan zyeul, li capable paraître correct. Nan zyeul, nan espace ça, local ça, l'église ça. L'assemblée ça, réunion ça, li capable paraître correct dans yeul. Et puis pendant ce temps, et pour l'amour, pendant ce temps c'est pour l'enfer la travail. Pendant ce temps son temps satanique lié. Pendant ce temps c'est Satan l'a pas adoré. Pendant ce temps l'a préparé, c'est où t'as fait pour l'enfer. Et puis li wèl bel, li wèl son belle assemblée. Mira kap fèt. Ah ouais, message a tombé. Et puis pendant ce temps, son espace qu'a préparé moun pour l'enfer. L'homme prudent, moun qui vient comprendre, veiller côté la mette pied. Tout, lorsque vous parlez pour local ça, assemblée ça, prophète ça, pasteur ça, évangéliste ça, docteur ça, enseignant ça, apôtre ça, allez paraître un homme de Dieu. Parce que l'a fait miracle. Il paraît tout le monde sérieux. Il paraît tout un foyer de Dieu. Et puis ils sont envoyés de Satan. D'où importance pour ne pas prendre comportement. L'homme simple. L'important aujourd'hui pour nous pas comporter nous en homme simple qui est différent de ce que le Seigneur dit disciples pour yo simple tant qu'au colombe. Il est différent de un monde simple. La simplicité de la colombe différent de un monde simple. Monde simple c'est un monde qui croit dans tout ça yo dit. C'est un monde qui emballé,
tout ça ouais li pote bourré la dan. Li pa prend temps pour réfléchir, li pa prend temps pour sonder aucun l'esprit, seulement depuis il paraît li emballé parce que depuis le miracle, li ouais y a pas en langue, mais miracle a fait, message a tombé et puis l'emballé. Ça c'est un monde simple. Je dis c'est pour prendre décision. Pour dire Seigneur, ou pas vrai, y a un monde simple dans vie ou encore. Ou pas vrai, y a un monde simple encore. Parce que le Seigneur dit, juste là, c'est pour le prudent, même Jean acceptant. Le simple, ou quoi dans tout bagaille, ou pas prendre temps pour sonder l'esprit, ou pas prendre temps pour réfléchir, ou pas prendre temps pour demander conseil, et puis seulement, ou précipiter. Ou courir dans voie pendant que ou pas même consulter l'Éternel ou porter bourré et puis qui côté ou praler direct dans l'enfer et après ou pral ou pral ouais en fin de compte ou te ou trompé ou. Le bon Dieu pral l'ouvrir je li pral faire grâce il pral retirer la silence ou et pour pral ouais que vraiment ou te trompé ou te dans erreur c'est non séduction côté prend. C'est induit ou induit dans l'erreur. Et le ça, bon Dieu, qu'a fait pour vous, dans yon bon le, ou capable de vous saisir pour aller quoi rapide, mais en pile fois, gagne pas de temps, fait marche arrière. Gagne pile qui pas de temps, fait marche arrière. Donc, mes bien-aimés, tout le monde qui a visé, tout juste, eh bien, yo agit en connaissance de cause. Tout le monde qui est prudent, tout le monde qui a marché dans prudence, eh bien, yo agit en conséquence. Yo pas précipité sur un chemin incertain. Yo sondé. Yo pas poté bourré sur le monde comme ça. Même les miracles faits à droite à gauche. Parce que je dis à nous, nous avons une ère de séduction. Nous envahis avec faux. Nous avons toute qualité faux. C'est ça seulement. Et sous ça seulement, on a marché là. Donc, je dis, vous devez comporter en un monde avisé. Vous devez comporter en un monde prudent. Vous devez comporter en un monde qui a marché sous 13 lits pour ne pas piler 14 lits. L'homme prudent, il connaît. Il connaît qui ça pour le faire. Il connaît la route que le Seigneur trace pour lui, c'est la donne pour le passé. Il n'y a pas sorti la donne. Et la donne pour joindre enseignement. Et enseignement que bon Dieu a bali, il n'y a pas négatif. Bien au contraire, c'est la vérité que la porte pour lui. Après, bon Dieu avec. Merci Seigneur. Amen. Donc, mes bien-aimés, ça pour nous connaître. Proverbe chapitre 15 de verset 5, qui ça le dit? Il dit, moun fou, pas koute le papa yo a parlé yo, mais moun ki gen bon comprenne, koute le yabra les oreilles yo. Merci Seigneur. Moun fou, pas koute le papa yo a parlé yo, mais moun ki gen bon comprenne, koute. L'œil a bras les oreilles. Merci Seigneur. À travers verset ça, qui ça nous capable? Nous capable que le Seigneur, qui ça veut apprendre nous là? Le Seigneur veut apprendre nous docilité. Docilité en tant que petit bon Dieu, en tant que juste, en tant que disciple Jésus. Eh bien, ou doit docile. Et docilité, les aller, les opposer à raideur, les opposer à stupidité, les opposer à orgueil, les opposer à endurcissement. Il y a des gens qui sont raides, il y a des gens qui sont durs, il y a des gens qui sont orgueilleux. Ou pas capable de disciple Jésus, et puis pour orgueilleux. Ou pas capable de disciple Jésus, pour stupide. Parce que le Seigneur, et ça nous est dit dans le commencement,
Li fait provision pour vous. Li fait provision pour vous pour comporter Jean ou doit comporter dans monde ça. Tout autant que ou vive dans monde ça pour jouer rôle témoin dans monde ça jusqu'à ce que le retourne vienne chercher vous. Li mettez outils à disposition. Je dis à ou pas gen droit tomber dans rede. Et ça que fait li dit nous là, moun fou pas coûter le papa à parler à kyo. Moun fou pas coûter le papa yo parler yo. Mais moun ki gen bon comprendre coûter le y a pas les oreilles yo. Y a pile chrétien jodi a ou met fait tout bagay, mais pas ra les oreilles li. Yo pas docile. Yo raide. Yo orgueilleux. Yo stupide. Yo pas prêt pour yo tande conseil. Yo pas prêt pour yo pour ra les oreilles yo. Pour mettre yo sous bon chemin. Ou pas un disciple Jésus-Christ l'orgue ça la caillou. Sou pas accepter yo ra les oreilles yo. Ou pas un disciple Jésus. Ou nan catégorie moun fou. Ou pas coûter. Ou nan catégorie moun fou, moun ki pa koute le papa yo a parler ak yo. Et nan catégorie moun soye. Donc ça veut dire que ou pas prêt pour recevoir instruction. Il a fait la Bible semeur, li dit ou seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Seul yon moun fou qui est capable de cracher son enseignement papal, qui est capable de cracher son sa papal montril. Seul yon moun fou. Donc, mes bien-aimés, si jodi a, en tant que yon juste, si ou est que jodi a la, ou manque docile vis-à-vis de enseignement que le Seigneur pote pour vous, à travers serviteur, parole li mette dans bouche serviteur, li pote yo pou, à travers les ministères, à travers les dons, eh bien, ou sont insensés, parce que vous méprisez, ou ap moke yo, ou même ou gon attitude de suffisance, sa kap di alal pa intéressé yo. Yo pa ka apprendre rien, yo pa ka montrer rien, moi connais parce que on fait dans l'évangile, moi grandi dans l'évangile, moi connais la parole. Toute famille c'est l'évangile. Vous comprenez? Donc pas gen monde qui ka vinn montrer rien. Ou gon attitude propre suffisance. Ou senti que ou plein. Ou nan catégorie moun fou. Nan même proverbe chapitre 15 là, si n ta fon ti coup d'œil frèm sèm yo ou gade nan verset 15 là, non te li pou déjà, moun k ap pase moun nan bêtise pare men moun ra les oreilles yo. Yo pa janm mande moun ki gen bon comprendre conseil. Ouais, moqueur. C'est ça oui, moun k ap pase moun nan bêtise pa renmen moun la les oreilles yo. Y a depuis son moqueur. Depuis c'est moun k ap fè lwè raison, li pa d'accord non? Non, depuis c'est moun k ap ra les oreilles, il pa d'accord. Non, la li fâché. Li fâché. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Donc, un monde qui est docile, mes bien-aimés, c'est un monde qui veut apprendre. Un monde qui est docile, c'est un monde qui veut connaître. Un monde qui développe une telle attitude, eh bien, c'est un monde qui ne veut pas faire erreur. C'est un monde qui est prêt pour le réviser. C'est un monde qui est prêt pour le reconsidérer voir. C'est un monde qui est prêt pour le reconsidérer route que le tape faire.
il est toujours prêt pour le reconsidérer. C'est exemple ça que David Banon, ou David Banon, dans Psaume 139 là. Qui est un monde docile. Je dis, juste là, qui doit prudent même gens acceptant, il doit faire preuve de docilité. Même si, mes bien-aimés, avertissement, réprimande là, parce que, en pile fois, réprimande yo pas qu'on douce. Le réprimande, réprimande yo pas qu'on douce, yo pas toujours agréable. Réprimande yo, yo pas facile pour accepter yo, pour tendre yo. Yo pas facile pour recevoir yo. Mais, en tant que juste, en tant que disciple de Jésus, en tant que petit bon Dieu, eh bien, on doit toujours accepter réprimande yo, accepter avertissement yo, tant que c'est bon côté Seigneur que yo sorti. Toujours mettre dans tête ou, c'est Seigneur qui voye yo pour. Sou jwenn sou yo réprimande yo, c'est Seigneur qui vle. Toujours prendre comme parole qui sorti bon côté bon Dieu. C'est pour capable améliorer, c'est pour capable corriger, c'est pour capable venir plus bon dans yeux bon Dieu qui fait les voyer un serviteur. Li voye yon servante vin bon yon avertissement, vin reprimande yo pou kapab agréable nan zye l, pou kapab plèl. Donc jodi a, si manke docilité, c'est pour mande l. Donc c'est attitude yon moun ki docile, c'est yon moun ki à l'écoute de sa yap dil. Li toujours prêt pour le tande, parce que li vle apprendre. Il est toujours prêt pour le tendre sa yabdil parce que il voulait apprendre, parce que il voulait changer, parce que l'on entre dans Christ ou pas entre dans Christ pour être mon outil ya ou vin joindre Christ n'importe gens ou vin joindre Christ joyeux ya mais ou pas vin joindre Christ pour être joyeux ya. Ou vin jwenn Christ jonyea pour transformer. Ou pas vin jwenn Christ jonyea pour rete jonyea. C'est ça qui fait tout ça que le Seigneur mettait à disposition les visées transformation. Parce que bon Dieu, objectif il s'est transformé. Les pour jonyea dans la boue sale, plein crasse. Plein saleté sous lui même c'est lui qui a nettoyé ou c'est lui qui propre ou et c'est lui qui restaure ou et c'est lui qui refaire ou et lui qui transforme ou c'est job lui c'est ça lui vient faire lui vient pour le transformer lui pas venir pour le prendre pour être joyé là là que l'on vient joindre ni ou vient joindre ni pour changer ou pas venir ni pour faire vieux j'ont été venir pour être comme ça non parce que faut faire progrès. Pour agréable dans Dieu, bon Dieu, faut grandir. Livre pour apprendre, livre pour former, livre pour instruire, livre pour grandir, livre pour transformer, livre pour parfait, livre pour sembler dans tout niveau. Donc pour refléter gloire bon Dieu, ou pas capable refléter gloire bon Dieu, ou pas capable refléter gloire bon Dieu non. Dans le péché. Ou pas capable de refléter gloire bon Dieu dans le péché. Et pas dans le péché, non, pas le refléter gloire bon Dieu. Et pas dans le péché. D'où, faut se transformer, faut changer. Parce que le Seigneur pas relé pour être même mon nom. Li relé pour faire progrès. Li relé pour gloire, pour refléter gloire. Ou c'est reflet gloire bon Dieu. Ou pas qu'à reflet gloire bon Dieu dans le péché. Ou pas qu'à reflet gloire bon Dieu pendant que ou était même mon outil. Pas aucun changement la caillou. Ou pas produit aucun fruit. Ou vini dans la chair. Après 10 ans, ou était dans la chair. Après 20 ans, ou était dans la chair. Proverbe, chapitre 18, le verset 15.
qui ça le dit non. Il dit mon l'esprit toujours à chercher plus connaissance. Zore moun comprenne toujours pareil pour li connaît plus toujours. C'est exactement ça. C'est attitude moun ki docile là. Moun ki docile là, li animé de sentiments qui nobles, qui gen respect la donne. C'est un monde qui rentre fond dans l'école sagesse là. C'est un monde qui rentre fond dans l'école sagesse là. Ouais, exact fait yodou là, moun l'esprit toujours a chercher gen plus connaissance. Zore moun comprendre toujours pareil pour li connaître plus toujours. Et ça oui. Un cœur intelligent acquiert la science. Donc, ou pas qu'à dire, ou c'est disciple Jésus, et puis, ou pas qu'on désir pour apprendre. Ou pas qu'on désir pour connaître davantage. Ou pas qu'on désir pour approfondir connaissance. Ou pas qu'on désir pour chercher plus connaissance. Ou pas qu'on désir, ou pas soirée ou. Pas développer, j'aurais ou pas toujours paré pour qu'on ait plus toujours, j'aurais ou pas toujours paré pour t'en ait plus toujours. Ou pas injuste, ou pas un disciple Jésus, ou pas un monde qui est prudent, ou pas un monde qui est docile. Et c'est ça, oui. C'est ça, ou Salomon pral dit oui. Merci Seigneur. Et ça va dire dans chapitre 15 Proverbe. Dans chapitre 15 Proverbe, on va le li va dire ça. Li dit ou dans verset 32 et 33 qui ça le dit. Li dit moun ki refize marcher sous brigade yo rayi tête yo. Mais moun ki accepte le yo ra les oreilles yo a vinde plus comprendre. Le ou gen créatif pour bon Dieu, ou déjà comprendre en pile bagay. Le ou soumet devant bon Dieu, moun va faire louange. Merci Seigneur. Donc, eh bien aimé, moun ki prudent, la prévoyant. Et les papes agit avec précipitation. Donc c'est ça qui fait juste là mon cap marcher droit devant mon Dieu là, c'est ça qui fait les prudents même gens avec serpent. Pour qui ça? Parce que les prévoyants les pas agit avec précipitation. Parce que serpent pas agit avec précipitation. Mon cap marcher droit là, son monde qui prudent, li pas capable, li pas précipité. Li pas fait un rien en tête chaud, li prévoyant. Proverbe chapitre 22, le verset 3. Proverbe chapitre 19, le verset 2. Proverbe chapitre 21, le verset 15. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1er. Acte 19, le verset 36. M'bap getan li. Toute référence à vous pour vous. Donc ou ka noter yo ou même li yo après. Donc, prévoyant, en nous garder, prévoyant, nous te dit, ou, selon dictionnaire synonyme, nan, li dou, c'est li désigner qui est. Yon moun ka prend des mesures, yon moun ka prend des précautions, à des précautions qui ont à effet lointain. Ouais, son moun qui prudent pour l'avenir. Tant qu'on fourmi, les prévoyantes. Fourmi, qui ça le fait? Les préparer l'été, nourriture pour l'hiver prochain. Les préparer, oui, pour l'hiver prochain. Même Jean à l'homme juste, mon cap marché droite là, mon qui prudent, eh bien,
là prend des décisions sages pour le présent, en même temps pour l'avenir. C'est pas le avenir arrivé et puis qu'on a ou on a couru. Non, on prend décision sage et pour qu'on y a et pour l'avenir. Vous faites pour prévoir. Vous faites pour prévoyant. Vous faites pour prévoyant. Ou agir aujourd'hui et ou garder qu'on y a pour demain. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Moun kap marche droit devant mon Dieu, les discerner. Les discerner lorsque péché a approché pour le capable à l'école. Si nous sommes capables de son l'autre forme, nous avons dit que mon prudent, mon cap marche droit devant mon Dieu, il prend sans péché. Ouais? Il prend sans péché. L'autre prend sans péché, eh bien, il démarque. Et ça, oui, discernement. Il sentit péché. Et depuis, il prend sans lit, il détache. Il décolle, il quitte zone ça. Côté le prince sans péché, il est à l'école. Alors que naïf là, monde qui simple, insensé, sans comprendre, et mais il a gueule, il plonge tête baissée. Parce qu'il n'a pas discerné. Il n'a pas discerné, il n'a pas pris sans. Il n'a pas aucun sans péché. Péché a vint sous lui, il est tombé, et il tombe là-dedans, il dit, oh, côté mien là. Il a payé conséquences. Et bien, les salles, ils viennent réaliser côté le théier. Il y a fini longtemps. Il faut qu'on soit capable de discerner la manœuvre du diable. Qu'apprendre autour de vous, même tant qu'on lui rugissant. La chercher, la veiller, la chercher un trou pour attaquer. Il faut que nous soyons capables, dans le moment où nous vivons, dans le temps que nous vivons, dans un temps de séduction, il faut que nous ayons discernement pour nous discerner l'esprit séducteur. Il faut que nous ayons discernement pour nous capables de discerner fausses doctrines. Il faut que nous ayons discernement pour nous capables de discerner toutes fausses, quel que soit fausses, pour capables de discerner, pour retirer corps, pour écarter de eux-mêmes, pour détacher de eux-mêmes. Quel que soit éloquent, ils étaient capables d'éloquent. Quel que soit don, ils étaient capables de gagner. Mais pour discerner, ou dans séduction, râle corps. Râle corps. Parce que de pour pas râle corps, ou ap infecté. Et de pour infecté, ou ap mourir. Dans tant que nous vivons là, ce pas seulement corona, non? Et pas pour corona, non, pour mon précaution. Et pas seulement protéger tête ou pour corona. Ce pas seulement protéger tête ou pour COVID-19, non? C'est pour protéger tête ou tout. C'est pour discerner tout, oui. Pour protéger de tout, oui, pour ne pas infecter. Ce pas corona seulement, non, qu'on infecte les gens là, qu'on y a là. Ce pas COVID-19 seulement, non. Il y a une faute, oui. Il y a une fausse doctrine qui a infecté et une fausse doctrine qui a pollué l'air là tout. Donc, il faut que nous ayons discernement pour nous capables de discerner le bon du mauvais, le bien du mal, la lumière des ténèbres. Il faut nous capables de faire ça. Et ça fait Proverbe, chapitre 19. Le verset 2, eh bien, qui ça le dit non? Il dit non, ça pas bon. Pour presser fait un rien, sans ou pas comprendre ça va faire. Ouais? Si ou pas de patience, ou pas de problème. En pile chrétien tombé dans chaud, en pile chrétien dans courir, par manque de patience. Yo tombé à cause d'impatience, yo dans courir. La Bible dit où le juste est prudent, l'homme prudent, eh bien, il agit avec patience. Moun kap mache droit devant mon Dieu, eh bien, il est très patient. Ça bon, ça pas bon, pour presser fait un yé, sans ou pas comprendre ça va faire. Si ou pas de patience, aucun problème.
ou pas capable de satisfaire tout désir. Ou pas capable d'obéir à tout désir. C'est pas tout ça qui paraît devant et puis pour obéir à lui-même. C'est pas tout désir que on fait face à lui-même aujourd'hui là pour obéir à lui. Non. Vous devez toujours prendre temps pour réfléchir avant d'engager. Dans tout ça que vous êtes capable de proposer, réfléchis avant d'engager. Réfléchis avant d'engager pour ne pas regretter. Ça n'est pas bon pour ne pas faire rien sans pas comprendre. Si vous ne comprenez pas nos bagailles, pas pour tout être là-dedans. Si vous ne comprenez pas, vous ne pas rentrer. Si vous n'avez pas patience, vous avez un problème. Je dis à vous avoir patience. Il est toujours bon. Mon qui est juste là, eh bien, il est prudent d'un serpent parce qu'il est toujours prêt temps pour étudier tout ça la fin. Il est toujours prêt temps pour réfléchir. Il est toujours prêt temps pour que tout élément d'appréciation dans la main pour capable prendre la bonne décision. S'il n'a pas tout élément dans la main, pour prendre bonne décision, ou pas capable d'avancer. Il faut prendre temps pour réfléchir. Il faut prendre temps pour réfléchir. Pas précipiter pour aucune décision. Pour aller fourrer tête pour. Dans le tour, et puis ou pas même qu'à sortir. Après ça, c'est tout pour aller tomber tête tout, ou pour aller tomber dans le péché. Ou pas tomber dans le péché. Alléluia. Et là, ou pas rater. Ou manque cible là. Proverbe, chapitre 21. Le verset 15, qui ça le dit, nous, mes bien-aimés? Ben, moi, l'île pour nous. Il dit, le rend justice sans parti pris, moun qui marche droit, yo, gen que content. Mais, méchant, yo, gen que cassé. Le juste est prudent, comme le serpent. L'on a marché droit devant mon Dieu, et bien mes bien-aimés, que l'on a content. Et ça fait la Bible là, l'on a rendu justice sans parti pris. Moun qui marche droit, yon gen cœur content. Yon gen cœur content. Et ceci dit, c'est dans tout domaine, oui. Mais méchant, yon gen cœur cassé. C'est ça fait, juste là, moun qui marche droit là, tout le monde. Toujours peur, et ça comme ça bon. Il y a une raison qui fait que vous serpent prudent, c'est parce que je dis à vous regarder, tout le monde peut serpent, tout le monde respecte serpent, c'est parce que c'est pas prudent. Oui. Serpent contre qui est pour avancer, qui est pour pas avancer. Juste ça, c'est ça que le Seigneur vient dire, c'est pour nous prudents, même gens avec serpent. Donc juste là, il est prudent, je dis à un monde côté n'a pas évolué à là. Il est prudent. Ecclésias, Salomon dit dans Ecclésias chapitre 5, verset 1er, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Pour te dire l'idée là, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et ça fait mes bien-aimés, mon cap courir fait promesse. Je dis à mine de pas courir fait promesse qu'on pas qu'à qu'aimer. Mon cap courir fait promesse. Dans le moment émotion, on ne peut pas faire promesse avec précipitation sans que vous pas réfléchi au préalable, sans que vous pas réfléchi pour est-ce que promesse ça vous fait, il y a pas qu'un peu. Mais tellement vous prenez émotion, vous comprenez, à l'aime de ça, réunion, après il y a des choses, vous vous touchez, vous vous prenez émotion, à l'aime de ça, aïe, et puis même côté émotion, vous faites des promesses. Vous pouvez faire promesse avec précipitation, vous n'êtes pas même capable de faire. Vous n'êtes pas réfléchi. Vous n'êtes pas même capable d'aller jusqu'au bout de l'engagement. Seigneur, si vous faites ça pour moi, je fais ça pour vous. Et elle est arrivée pour faire pour le Seigneur et pour réfléchir. Promesse soit faite à la hâte. Dans un moment d'émotion, vous n'êtes pas jamais bon. Vous n'êtes pas jamais durable, mes bien-aimés. Il y a deux expressions pour nous qui sont dans la parole. Salomon dit dans l'Église chapitre 5, verset 1er. Pas presser l'ouvrir bouche et pas presser exprimer une parole devant mon Dieu.
Pas pressé de dire, pas pressé pour promesse à bon Dieu. Pas pressé promettre bon Dieu, pas pressé pour engagement qu'on n'a pas prêté. Émotion fait que au cours du Seigneur m'a fait ça pour ou emballer. Parce que gon moment dans prière ou te senti gon moment dans réunion ou senti ou touché à problème de sa émotion et puis faut dire ou faire bon Dieu une promesse ou précipiter non pas courir réfléchir ça qu'on va louer dans acte chapitre 19 verset 36 nous parlons exemple de précipitation ou parlons émeute qui va provoquer un désordre. Pour faire Éphésiens qui va provoquer des ordres là. Parce que en pile Éphésiens, ils étaient venus convertis, ils étaient acceptés Christ, donc ils étaient abandonnés culte que ils étaient fait à des Diane. Donc puisque qu'on y a évangélisation faite, monsieur yo vin accepter Christ, qu'on y a yo viré d'eau by culte ça, faux Dieu ça. Fausse déesse ça, hein, à la déesse Diane. Donc, ça vient provoquer, mes bien-aimés, une baisse dans le chiffre d'affaires en février. Parce que, yote qu'on a fait bijoux, yote qu'on a fait bonne bagaille, statue, toute bagaille ça yo, qui était dédié à la déesse Diane. Ça vient provoquer une véritable désordre, une émeute. Donc, monsieur, yote fait son exemple de précipitation. Donc, le seul qui a eu du bon sens dans cette affaire, et dans mi temps toute agitation, ça, mes bien-aimés, tout le monde, ça, tout le monde, ça, et pour ne pas connaître, pour un pile, ne pas connaître ça, frère, ne pas connaître ça, vous avez fait dans des autres, ça, pendant que vous êtes dans l'effervescence, eh bien, c'est ce critère, oui, qui va inviter foule là pour calmer. Pour pas faire un rien avec précipitation à l'égard de Gaius et d'Aristarque, compagnon Paulio, qui pas coupable de rien, n'est pas coupable d'aucun sacrilège, yo pas fait, yo pas blasphémé à l'égard de la déesse d'Éphèse, non. Précipitation, hein, li en pile fois mes bien-aimés, li faut faire en pile bêtise. L'homme agit par précipitation. Précipitation faite en pile fois tout, dans le jugement, ou porter mauvais jugement sous prochain. Ou porter en pile fois, le nous précipiter, nous dit des bagages que nous ne pouvons pas dire. Précipitation, c'est fruit impatience. Parce que le ça, vous venez quitter ou influencer par ça qui a passé autour de vous-même. Ou bien, ça mon a dit, c'est eux-mêmes, autant de. Je dis à, ils ont agi avec précipitation. Le juste est prudent, comme le serpent. Et c'est ça, le Seigneur dit, non, soyez prudents, comme des serpents, et purs, comme des colombes. C'est deux bagailles que le Seigneur vient demander, non, pour nous faire preuve de eux, je dis à. La prudence du serpent et la simplicité des colombes. La pureté, la simplicité des colombes. Jacques Fouet, verset ça, mes bien-aimés, pour nous finir, nous capables de dire que Matthieu 10, verset 16, les résumés toute complexité de l'évangile là. Son verset qui résumait toute complexité de l'évangile là. Parce que les vins placent nous devant la grâce totale de Dieu. C'est devant ça que lui mettait nous, devant la grâce totale de Dieu. Et en même temps, tout, pendant qu'il mettait nous devant la grâce totale, bon Dieu, hein, en même temps, les vins mettait nous devant responsabilité nous comme disciples Jésus-Christ. Li mette nous devant grâce totale, bon Dieu. Et en même temps, li mette nous devant responsabilité, non. Donc, li vient montrer nous propre. Li vient montrer nous notre propre vocation d'être à la suite du Christ. Nous avons une tension, mes bien-aimés. Donc, je veux dire, vocation, non, c'est pour nous
Jésus-Christ dans une tension. Alléluia. N'a suivi Jésus-Christ dans une tension fondamentale. Tension fondamentale ça, c'est entre le royaume du monde et le royaume de Dieu. Mais attention. Soyez prudents comme des serpents et purs